Salut tout le monde, ici le Envol qui est là pour le nouvel épisode de la saison 2 de The City. Donc nous allons présenter plusieurs nouvelles constructions. Alors nous allons commencer par ce bâtiment là, tout simplement un restaurant. Nous allons visiter. Je peux avoir les commandes, voilà. Bon, j'ai pas de... Je l'ai appelé Hey Paila. Voilà, il est ouvert du lundi au samedi, 11h, 13h, 19h, 23h. Voilà, donc nous sommes à l'entrée. Donc, ici, la réception. Nous avons le bar, très important. Ici, nous avons des tables. Et nous en avons à l'étage. Voilà. Pour ce qui est de la visite du restaurant. Alors ici nous avons la station service qui était en construction. Mais je l'ai montré après son vidéo. Alors là on a un nouveau bâtiment. Avec un héliport. Sur le toit. Bien évidemment. Voilà. Donc la route a été prolongée, on a un autre nouveau bâtiment ici où j'ai pas mis de porte d'ailleurs. Pas mis de porte. Pourquoi je ne l'avais pas mis? Je sais pas. Voilà, donc j'ai commencé à prolonger aussi la route. Et nous allons descendre dans une allée piétonne uniquement. Pas de voiture ici. Voilà. On peut y accéder par les trottoirs de là-bas aussi. Hein. Là il y aura une route qui passera par là, je vous montrerai où. Okay, petit coin ici détente. Hein. Voilà, donc ici on revient sur cette rue ici. On va vous montrer, voilà. Là il y aura l'autoroute qui passera par au-dessus. Donc ici un coin détente. Et là nous avons plusieurs maisons. Tout inspiré du même modèle, sachant que la troisième c'est la plus fidèle, puisque j'avais les images complètes. Les deux premières sont faites avec quelques images de YouTube que j'ai pris en screenshot en regardant la vidéo de YouTube concernant cette maison. Là, celle-là elle est pas meublée. Celle-là je l'ai meublée, fait de montrer. Voilà. Et ensuite, je vous montrerai la troisième qui colle le plus à la maison. À la maison que j'ai, qui a été faite sur une vidéo YouTube. Et nous allons tout de suite aller la voir celle-là, puisque c'est une maison qui a été faite par Sinkivan dans son animation pour 9000 vues. C'est une animation Minecraft qu'il avait fait. Et je lui avais demandé des captures d'écran de la maison pour pouvoir la reproduire sur MCPE, hein, sur ma map The City. Donc là voilà. Et nous allons la visiter, c'est celle-ci. Ça je suppose que ça représente le garage. Hein. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Donc on entre. Alors, elle est un peu moins meublée que la sienne hein, par contre. Hein. J'ai un peu simplifié l'ameublement. Enfin il y a moins de plantes, du moins. Ça c'est surtout ça. Ici on a le canapé, on a ça. Alors là ici c'est là où le petit personnage Nick et ensuite qu'on voit le 9000 vues, merci à tous, voilà, merci, merci, voilà. Ça c'est le fameux petit écran de télé où les messages s'affichent, pour ceux que ça intéresse. Hein. Alors ici je voulais mettre, ça y était pas une petite table, enfin une petite table et un petit ordinateur grâce à mode de meubles que j'avais déjà présenté dans un épisode précédent, très rapidement. Ensuite, on va monter à l'étage parce que lui, là, il y a une sortie vers une terrasse qu'il y a sur la vraie maison. Moi, j'en ai pas mis, bon, j'en mettrai peut-être une parce que ici, c'est, on est en pleine ville, quoi, voilà. Du coup, ici, on a vu ici. Donc ici, c'est la chambre, en gros, voilà. Peut-être la partie qui ressemble le plus au vrai, voilà. Et là, on sort sur l'une des terrasses avec la vue sur la. Bien sûr beaucoup d'ombre à cause du d'eau, il y en a encore plus hein, quand j'aurai fait aussi l'autre chaussée, voilà, de l'autoroute, faudrait que je le prolonge d'ailleurs. Et là ici on en a une autre terrasse, voilà. Donc je fais une petite visite rapide de ces des nouvelles constructions qui ont été faites, voilà. Et je tiens à remercier du coup Sinkivan
pour sa vidéo, il mérite les 9, fameux 9000 vues. Je crois que c'était 9000 vues sur une seule vidéo. Ça, je suis plus sûr. Et du coup, pour sa vidéo qu'il a faite et pour les captures d'écran qui m'ont permis de faire cette maison, qui me donne du contenu à présenter. Et ainsi, un AnyComputer, dont je mettrai le lien dans de sa chaîne dans la description. Si pareil pour Sneakyvan, les deux seront. Je le remercie franchement, puisqu'il m'a dépanné dans mes problèmes de driver pour mon vieil ordinateur sous Linux, sous Ubuntu. Enfin, mon ordi XP, l'ordi que je cherche pour les montages, qui était assez sensible et assez sujet au plantage de l'affichage. Et maintenant, il est beaucoup plus stable. Je fais carrément tourner Altitude, pour ceux qui connaissent. C'est un petit jeu free-to-play d'avion sur Steam, hein, voilà. Donc, je le fais carrément tourner ce jeu-là, avec les paramètres graphiques en high, sans problème. Donc, il m'a vraiment réglé les problèmes graphiques. Hein. Donc, c'est vraiment très sympa. Et du coup, j'ai aussi accès à un Downbreak à l'encodeur X265. J'ai été limité au X264, jusqu'ici. Donc H264, H265 si vous préférez, voilà. Donc du coup qui permet, bon par contre les temps d'encodage vu que mon ordi peu puisse est très ancien, sont longs en H265. Hein, j'ai excédé les 1 heure pour un tuto Minecraft que d'ailleurs j'ai toujours pas publié. Je pense pas que je le publierai ultérieurement après cet épisode alors qu'il a été tourné il y a une semaine je crois. Donc j'ai vraiment traîné parce que je fais Game Infinite Fight entre. Voilà donc grand merci à AnyComputerBE. Vraiment très utile sa chaîne et vraiment merci à lui et merci à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme vous voyez, ça prend de plus en plus de la gueule, comme on peut dire, la map de City. Et j'espère vous retrouver avec toujours plus de nouveautés, puisque je vais retrouver un peu plus de motivation encore grâce à le Core Block qui a fait une vidéo, qui a présenté une vidéo sur un immeuble qui m'a beaucoup intrigué, dont je pourrais m'inspirer sous différentes formes pour faire d'autres constructions et ainsi agrandir encore un peu plus sa map. Puisque ce qui me manquait du temps, j'en avais, c'est l'inspiration qui me manquait en ce moment. Et là, j'en ai retrouvé un peu grâce à Sneakyvan. Merci. Et on se retrouve donc une prochaine fois. Allez, ciao, ciao!